bonjour. Nous vous rappelons que la voiture bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Ouais. Tiens, Sam, dis bonjour à ton tonton. Oh non, moi je vais me gâter. Je sais pas si vous passez un peu de temps à Marseille, vous allez voir que c'est une ville qui est vraiment qui mérite, pour moi, qui mérite qu'on s'y attarde vraiment. Et moi, ça m'a donné envie de filmer, de raconter une histoire, de m'installer là, de chercher des images un peu inédites, de montrer des choses, de la filmer du ciel, de la filmer de partout, quoi. Aucune ville m'a fait ce genre d'émotion. Parce que d'abord, je passe beaucoup de temps ici, c'est normal, je crois. C'est une ville qui vous énerve le matin, c'est une ville avec qui vous réconciliez l'après-midi, que vous voulez quitter le soir. Voilà, quoi, c'est une ville qui est vivante. Et donc, après, qu'est-ce qu'un Marseillais ou qu'est-ce qu'une Marseillaise? Ça, je n'en sais rien, quoi. Chaque Marseillais est particulier, est différent. Et c'est pour ça que le film s'appelle Marseille. Mais c'est plus en opposition par rapport à tout ce qu'on entend sur Marseille, les Kalachnikov et tout ça, et pour dire, voilà, ça aussi, c'est Marseille. Alors, puisque vous vous dites, à Marseille, il y a eu tant de trucs, à Marseille, tant de morts. Donc voilà, donc on ne détient pas la vérité sur les Marseillais ou les Marseillaises, juste on s'efforce de les aimer. Compliqué pour moi aujourd'hui. Hein. Et Patrick, si tu veux bien dire des trois mots quand même. C'est sûr que je dis. Merci Nando. Patrick, il m'a dit, le 16 mars quand le film sort, je m'en fous. Par contre, ce soir, à Marseille, c'est important pour moi. Et oui, parce que moi, je reste ici, et eux, ils s'en vont après, vous comprenez? J'étais très, très nerveux, très tendu, très... J'étais pas bien, quoi, parce que ne serait-ce que pour Patrick, quoi, parce que moi, je sais... Patrick, c'est mon ami, quoi. Je l'ai embarqué dans ce truc-là. J'ai dit, t'inquiète pas, tu seras content. Parce que, mais c'est vrai, j'ai une responsabilité quand même vis-à-vis de Patrick qui m'a suivi, qui a accepté de vivre cette aventure avec moi. Parce que sans lui, moi, je peux rien faire. Donc j'avais presque plus de le trac pour lui. Sachant que moi, je ne suis pas de cette ville. Lui, demain, moi, quand je vais partir à Paris demain ou après-demain, lui, il y est encore et on va le croiser dans la rue. On va faire « Oh, Bosso, ton film !» tu vois. Donc, c'est particulier de présenter le film à Marseille. Et puis surtout parce que, voilà, on s'appelle Marseille et qu'à Marseille, il y a une fierté, il y a une identité forte. Donc, qui ose dire que ce film s'appelle Marseille? Bah, nous. Parce qu'on pense que le film mérite de s'appeler Marseille. Donc ça a une difficulté supplémentaire. Ailleurs, on n'avait pas ce problème-là. Quand on était à Lille, on était peinards. Là, ici, on sent bien que les Marseillais sont très... Alors, vous voyez, dans les journaux ce matin, on sent qu'ils ont été séduits par le film. Les familles, ne serait-ce que nos parents, ont été très touchés, tout ça. Donc, on est contents. Mais on était... Moi, j'étais pas bien, quoi. J'assure, j'avais eu mal à la tête pendant toute... C'est horrible, hein, parce que c'est qu'un film. Mais c'est tellement de nous, pour nous. On sent qu'il y a tellement d'attentes là-dessus que finalement, on se met la pression, quoi, ce qui est con. Hein.